Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour. À la une ce matin, David Pujadas répond aux rumeurs sur son départ du 20h. Émeric Caron prêt à rempiler dans On n'est pas couché. Et une bonne sœur dans The Voice Italie. Et on commence donc avec David Pujadas qui répond aux rumeurs sur son départ du 20h de France 2. Des rumeurs qui courent en raison de la baisse des audiences de son JT par rapport à celui de TF1. Son départ a été évoqué la semaine dernière, tout comme l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix. Les deux journalistes se retrouveront d'ailleurs ce soir sur le plateau de C'est à vous sur France 5. L'occasion pour Pujadas de démentir toutes ces rumeurs. Une interview que vous découvrez en avant-première et en exclusivité ce matin sur Europe 1. Non, c'est les rumeurs, c'est le charme de ces rumeurs. Nous, on spécule beaucoup sur les rumeurs de remaniement. Ben voilà, les journalistes médias spéculent sur les rumeurs de remaniement médiatique. Depuis 7 ou 8 ans, l'audience de nos concurrents, elle a perdu un tiers. Ouais. Nous, on a résisté. Au bout d'un moment, j'allais dire, il y a quand même un petit retour des choses. Et ils regagnent un petit peu. Nous, on perd un petit peu sur la durée. Honnêtement, il n'y a pas photo. Voilà. On a beaucoup innové il y a quelques années. On a introduit beaucoup de choses qui ont été aussi copiées. C'est normal. Ça fait partie du jeu. Donc, il faut réfléchir. Il faut se remettre en cause peut-être encore davantage, bien sûr. Extrait exclusif donc de l'émission C'est à vous que vous découvrirez ce soir sur France 5 à partir de 19h. Anne-Sophie Lapix recevra David Pujadas. On connaît les premiers invités du talk show de Valérie Damidot. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Sa nouvelle émission qui commencera le samedi 29 mars à 17h20. Valérie Damidot recevra Franck Dubosc et Pascal Obispo pour les deux premières. En compagnie de ses chroniqueurs, elle tentera de combattre l'avis majoritaire en essayant de convaincre le public sur des sujets de société. Émeric Caron s'exprime sur son avenir dans On n'est pas couché. Il y a quelques semaines, Natacha Polony annonçait qu'elle quittait l'émission à la fin de la saison. Suite à ce départ, Laurent Ruquier nous expliquait lundi sur Europe 1 qu'il réfléchissait au remplacement de son duo de chroniqueurs. Avec ou sans Émeric Caron, le journaliste a répondu hier sur le plateau de la nouvelle édition sur Canal+. J'en suis quelque part où c'est extrêmement clair. Laurent a dit une chose très simple, il a dit « Natacha part, c'est une certitude. En ce qui concerne Émeric, il faut qu'on se parle. » Et il a dit ça à un moment où nous ne nous étions pas encore parlé. Très clairement où ça en est. Nous nous sommes parlé. Laurent, Catherine Barma et moi, nous avons tous les trois... De l'émission. Ouais, nous avons tous les trois envie de continuer ensemble. On s'entend très bien, l'émission marche très bien. Et c'est sur cette position que nous sommes aujourd'hui. Voilà, Émeric Caron qui annonce donc qu'il reste dans l'émission de Laurent Ruquier. Et puisqu'on est dans le train des municipales d'Europe 1, ce matin, beaucoup d'infos sur ces élections. Tout d'abord, l'entrée en vigueur de la période de réserve pour les médias. Comme pour toutes les élections, les radios et les télés seront contraintes au silence à partir de ce soir minuit jusqu'à dimanche soir 20h. Aucun homme politique ne pourra s'exprimer et aucun sondage ne pourra être publié, y compris dans la presse écrite et sur Internet. Les résultats ne pourront pas être dévoilés avant l'heure fatidique de 20h. Europe 1 vous proposera d'ailleurs une édition spéciale municipale dimanche soir avec Nicolas Poincaré et Wendy Bouchard. Voilà, et lundi à partir de 10h, vous pourrez réagir en direct. On vous attendra au standard d'Europe 1 39-21 pour nous dire ce que vous pensez des résultats de cette élection, puisque ce sera le buzz lundi entre 10h et 10h30 dans cette émission. Et puis toujours à propos des municipales, France Télé demande à TF1 de retirer sa campagne de pub. C'est une info exclusive. France Télé estime que le slogan choisi par la Une est trop proche de celui utilisé par France 3 en région. Ce slogan c'est « On va parler de vous sur TF1 », celui de France 3 « Vous allez entendre parler de vous ». De tournure assez similaire, France Télévisions demande donc à TF1 de cesser immédiatement cette campagne de pub. Publicité toujours avec une plainte contre la campagne Europe 1. Une plainte qui a été déclarée nulle hier par le tribunal de grande instance de Paris. La justice avait été saisie en référé par le parti pirate qui accusait Europe 1 d'avoir recouvert ses affiches sur des panneaux électoraux parisiens. Ce sont les fameuses affiches avec les têtes de tous les animateurs de la station, hein, voter Morandini, voter Thomas Soto, etc. Le parti pirate accusait la station d'affichage sauvage, mais l'assignation en référé a été déclarée nulle. À Strasbourg, les dirigeants d'une liste d'hiver gauche se sont enchaînés devant les locaux de France 3 Alsace hier. Oui, les candidats protestaient contre un débat organisé par la chaîne auquel ils n'ont pas été invités. La chaîne avait convié 6 têtes de liste sur les 10 en lice à Strasbourg. En revanche, les 4 petites listes n'étaient pas invitées à débattre. La direction de France 3 Alsace a expliqué que la chaîne s'en tenait au respect de la règle d'équité entre les candidats puisqu'il n'y a pas d'obligation d'égalité pour ce premier tour des municipales. Après les battles, place à l'épreuve ultime demain soir dans The Voice. C'est une nouveauté de
cette saison 3, une nouvelle épreuve avant les émissions en direct. Les talents de chaque équipe vont de nouveau s'affronter face à leur coach demain soir et samedi prochain. Ils passeront 3 par 3 avec chacun une chanson de leur choix pour défendre leur place. Les coachs élimineront l'un d'entre eux à chaque tour, si bien que seulement 6 candidats de chaque équipe accéderont à l'épreuve des lives qui commencera le samedi 5 avril avec le vote du public. Et puis toujours dans The Voice, une candidate a fait sensation, mais en Italie. Elle s'appelle Christina et sa particularité, c'est que c'est une religieuse. Elle s'est présentée en tenue de bonne sœur, croix autour du cou, et elle a mis le feu sur le plateau, non pas sur un cantique, mais sur un titre R&B. Wow. D'Alicia Keys, écoutez. Prestation assez incroyable. C'est étonnant de chanter une bonne sœur comme ça. Alors, une chanson comme ça. Oui, ça le fait. En France, c'était quoi? C'était Dominique. C'était plus désuet, quand même. Plus désuet, c'est clair. Et plus ambigu également. Et carton plein, les quatre coachs se sont retournés. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 4612 km, c'est le parcours effectué par le train Europe 1 des municipales à bord duquel nous nous trouvons ce matin. Depuis le 4 février, les équipes d'Europe 1 ont ainsi visité 15 villes de France à la rencontre des auditeurs et des candidats aux municipales. Dernière chance de visiter ce train aujourd'hui à la gare de Lyon à Paris, mon cher Jean-Marc. Merci beaucoup, Thomas. Dans un...